Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va, le boulot, la famille. Pour ma part, je vais super bien, ok. Alors aujourd'hui, euh, c'est une vidéo, on va dire coiffure, ok. Euh, voilà, je vais vous montrer comment j'ai réalisé. Euh euh, cette postiche que j'ai fait mon chignon avec, ok. Donc j'ai également filmé la vidéo du chignon. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment je pose euh, ce postiche sur ma tête. Alors c'est assez simple, je vous assure, très simple, moins coûteux. Donc c'est une bonne alternative, ok. On n'a pas toujours les moyens de souffrir des postiches qui coûtent euh, extrêmement cher. Donc, avec peu d'argent, tu t'offres un tout voilà super top pour faire régulièrement tes chignons à la maison et pourquoi pas tes perruques. Donc, on va partir de la mèche, de la mèche, Nelly, de la mèche. La mèche quoi, la mèche? On va partir de la mèche expression. Donc là, j'ai utilisé le numéro 1. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, ok? Donc voilà comment la mèche se présente dans le paquet. Là, j'ai coupé en deux. J'ai déjà coupé, ok. Vous voyez une partie est sur ma tête là. Donc j'ai coupé la mèche en deux. Vous voyez, on va partir vraiment d'un truc comme ça, pour un truc assez fin, assez euh, léger, bien lisse, comme euh, voilà, euh, les tissages que vous achetez, les boules de mèche que vous achetez, des mèches brésiliennes et autres. Donc c'est vraiment super génial. Alors, mes beautés, on va passer euh, à la fabrication. Vous aurait besoin euh, d'une mèche d'un paquet expression bien évidemment bon vous pouvez essayer avec une autre mèche c'est pas trop donc vous prenez expression parce que euh, c'est une mèche pour moi qui est bien travaillée ok bon bien travaillée entre guillemets alors on va donc euh, enlever la mèche du paquet voilà comment ça se présente dans le paquet ok donc c'est assez long c'est hyper long vous pouvez également euh, ne pas couper ok vous pouvez euh, si vous voulez un truc euh, plus long vous ne coupez pas. Ou encore, vous essayez juste de diminuer la taille. Vous pouvez enlever un quart. Donc, voilà. Vous faites vraiment euh, en fonction de votre goût, en fonction de ce que vous voulez. Je vous montre juste comment vous pouvez le faire. OK? Donc là, je vais donc couper euh, ma mèche euh, en deux. OK? Je vais me servir de mon ciseau pour couper ma mèche en deux. Alors, mes beautés, si ça vous intéresse, si vous aimeriez euh, voir comment... Euh, je pose cela sur ma tête n'hésitez pas de me dire en commentaire j'ai déjà filmé la vidéo j'attends juste euh, que vous me donnez l'autorisation de poster parce que je me suis rendu compte que voilà vous ne regardez pas assez les vidéos coiffure raison pour laquelle voilà euh, je n'en fais pas assez également donc voilà j'ai déjà coupé ma mèche après avoir coupé donc il va falloir étirer donc je vais prendre une boule une partie donc comme je l'ai dit si vous voulez un truc euh, assez fourni, ok, vous pouvez euh, faire tout le paquet. Donc, vous allez étirer, c'est toujours bien d'étirer pour avoir vraiment, euh, pour qu'on ait vraiment un truc assez fin en bas, que ça ne soit pas tellement touffu en bas. Donc, vous étirez, mais n'étirez pas trop, ok, juste euh, euh, légèrement, vous étirez euh, comme ça. Également, je vais mettre le lien euh, d'une vidéo que j'ai déjà faite. Okay. Dans la vidéo, je vous montrer comment vous pouvez partir également des mèches expression pour faire euh, des bandes de tissage. Dans ces bandes de tissage, là en général, bon, vous pouvez l'utiliser pour faire également des post mais vous pouvez euh, l'utiliser pour faire euh, vos perruques. Okay? Donc, c'est déjà, je vous montre comment je, je confectionne cela en fait. Donc, vous étirez comme ça. Donc voilà mes beautés après avoir étiré voilà comment euh, la mèche euh, se présente ce que vous allez faire maintenant c'est de peigner vous devez peigner vraiment pour enlever euh, pour déjà détendre euh, toute euh, la mèche ok parce que vous avez étiré sinon ça va former euh, des, des nœuds donc vous devez euh, peigner cela vraiment pour détendre donc une fois peigné je vais prendre euh, un élastique voilà je vais donc venir euh, je vais l'utiliser pour euh, pour tenir ma mèche, en fait, pour que ça ne se mélange pas, ok, vous pouvez prendre, on appelle ça quoi, les chichis, en fait, tout ce que vous avez, même une corde, voilà, vous a encouler cela. Donc, dans une bassine, vous allez mettre une eau bouillante, une eau qui a bien bouilli. À ça, je vais donc venir ajouter un peu d'huile de coco. Je vais également rajouter un peu euh, d'après-shampoing. Donc, l'huile de coco, c'est vraiment bien déjà euh, cette huile est utilisée pour lisser les cheveux donc c'est bien ça va vraiment euh, et ça va également empêcher que euh, les mèches ne se mêlent ok donc vous trempez dans la mèche euh, dans de l'eau vous trempez de temps en temps vous enlevez vous trempez vous pouvez tremper cela vous laissez ou couvrez même pendant cinq minutes ok et ensuite on venez donc euh, enlever donc là je, vous voyez comment la mèche quand vous mettez dans de l'eau bouillante la mèche vraiment le volume Diminue donc ça affine vraiment le grain euh, de la mèche, raison pour laquelle voilà à la fin vous avez un truc lisse. Donc là j'ai sorti de l'eau, je vais donc essayer de, de sécher cela. Ok, j'ai pris juste une serviette pour euh, enlever euh, l'excédent d'eau, mais ça ne peut pas se sécher comme ça. Euh, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, ok. Donc là, je n'ai vraiment pas utilisé le sèche-cheveux. Je vais laisser ma mèche, euh, ma boule de tissage, voilà, sécher à l'air libre. Déjà que j'ai filmé cette vidéo en soirée, dans le matin, elle sera prête. Donc là, j'ai anticipé, j'ai mis euh, de l'huile. Donc j'ai mis un peu d'huile de coco. Okay, vous pouvez mettre votre huile destinée pour, pour, pour mèche, pour cheveux. Donc j'ai mis l'huile de coco qui est très bien également. Donc vous mettez l'huile de coco. Et voilà, vous peignez donc après avoir laissé sécher, euh, vous faites tout cela, vous peignez. Et quand vous allez laisser franchement bien sécher, vous allez obtenir vraiment de, de très beau Vous allez vraiment apprécier, je vais dire, la texture euh, de la mèche parce que là c'est un peu humide, c'est un peu humide. Donc, je voulais pas fumer la vidéo deux fois, ok. Raison pour laquelle euh, voilà, je n'ai pas laissé complètement sécher, mais je vais le faire après, ok. Donc voilà, vous voyez comment la mèche aime la beauté. C'est assez simple, méga simple. Vous pouvez faire comme ça et faire vos chignons avec. Voilà, vous voyez, on est parti de ça. Vous voyez la différence? On est parti de ça pour obtenir un truc bien lisse. Le volume a diminué. Avec ça, tu fais ton chignon comme je l'ai fait. Et comme je l'ai dit, si la vidéo vous intéresse... Faites-le moi savoir en commentaire, je vais vous montrer comment vous pouvez poser cela sur votre chignon. Donc voilà mes beautés, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le Seigneur est amour, Nelly aussi. Ciao!